Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Céline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau booktube et je vais vous parler d'un thriller que je viens récemment de lire, c'est Le Chuchoteur, écrit par Donato Carisi, publié aux éditions Kalman Levy. C'est un roman qui a été publié en 2009, c'est une série en fait en plusieurs tomes. Alors Le Chuchoteur, c'est l'histoire en fait. Accrochez-vous. Ok, déjà je vous le dis, âme sensible s'abstenir. On est dans un thriller qui est quand même assez effrayant. Le Chuchoteur, c'est l'histoire d'un cimetière de bras qui est découvert dans une clairière. 5 bras gauches sont découverts, enterrés, et c'est 5 bras de petites filles, des fillettes qui ont disparu, et un 6e bras est retrouvé. Et on suppose, des éléments de l'enquête laissent supposer que la 6e petite fille serait peut-être encore en vie, ou en tout cas serait volontairement maintenue en vie par le tueur, qui est a priori un tueur en série, avec un mode opératoire qui se répète, qui se réitère à chaque fois. Alors on a une enquêtrice, Mila Vasquez, qui arrive sur cette affaire. Mila Vasquez, c'est une enquêtrice qui est assez froide, en tout cas elle est présentée comme étant assez froide. Elle a un passé un peu trouble. On découvre en fait que Mila, elle a elle-même quelques fantômes cachés dans le placard. Voilà, j'en dirai pas plus. Elle est avec une équipe d'enquêteurs qui est pas très accueillante au départ. Alors, c'est des enquêteurs qui sont assez mystérieux. J'ai bien aimé les personnages. Il y a Stern, Gavila, Boris. Ils sont tous assez intrigants, en fait. Certains ont l'air d'être très 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 précis, très fins dans leur approche. Ils avancent dans l'affaire et on est vraiment... à certains moments, on est très très mal à l'aise. Alors, comme je vous ai dit, c'est des meurtres, mais en plus des meurtres d'enfants. Donc, c'est pour ça que c'est quand même destiné à un public assez averti. On a un côté un peu huis clos puisque les enquêteurs vont se retrouver ensemble et vont partir à la recherche en fait de ce tueur. Alors on a plein d'étapes dans le livre, c'est un thriller qui est bien construit, qui est très fin, très bien écrit, c'est un thriller qui est très maîtrisé avec des éléments très macabres. Je vais pas trop vous en dévoiler parce que vraiment je vous laisserai découvrir le livre si vous avez envie de le lire ou si vous l'avez déjà lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez vraiment pensé et quel effet ça vous a fait, parce que en fait on a des passages qui sont vraiment saisissants et des moments qu'on voit pas venir en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments où on les voit pas venir et moi je me suis dit après coup, mais en même temps j'aurais dû m'en douter. Donc c'est en ça où je me dis voilà, le lecteur est vraiment manipulé par l'auteur et ce qui fait justement un très bon livre parce qu'on est vraiment manipulé du début à la fin, ce qui est plutôt une chose positive dans ce cas précis parce que là on se dit que l'auteur a vraiment réussi son pari. Alors Donato Carisi, c'est un auteur mais également un juriste de formation et il était spécialisé en criminologie et en sciences du comportement. Donc on sent qu'il sait de quoi il parle, les tueurs en série, il connaît. D'ailleurs, ce livre est basé sur des faits réels, donc ça le rend d'autant plus flippant. Vraiment. Alors Mila Vasquez, comme je vous ai dit, il y a des passages dans le livre, elle a un passé très très dur avec des choses qui lui arrivent qui sont compliquées à gérer pour elle, donc ça vous verrez, c'est particulier, on est scotché de tous les côtés en fait, du côté des enquêteurs comme du côté de l'enquête elle-même, donc ça vraiment vous allez avoir des moments où vous aurez envie de savoir mais en même temps vous savez que votre cœur va s'accélérer, vous allez avoir des sacrés coups de flip et en même temps si vous le lisez, ne lisez pas seul chez vous, lisez-le avec les lumières allumées et les fenêtres bien fermées, les porte aussi, parce que je pense que là, si une porte claque en même temps, vous risquez de frôler l'arrêt cardiaque. J'aimerais aborder juste, en particulier, vous donner quelques détails sur des passages que j'ai beaucoup aimés. Alors, il y a peut-être des spoils, en tout cas, je vais pas vous dévoiler des choses de l'enquête, mais comme je vais vous parler de certains passages qui m'ont vraiment beaucoup marqué, si vous n'avez pas lu le livre et que vous voulez pas savoir pour l'instant, pour vraiment vous garder la surprise, on va dire, la surprise au sens propre du terme, mais en tout cas, voilà, si vous voulez pas trop savoir, je vous invite à passer ce petit moment à l'aide du chapitrage et on se retrouve juste après, voilà, pour la fin de la vidéo. Mais j'aimerais juste aborder certains passages que j'ai beaucoup aimés parce qu'en fait, il y a plein de choses dans cette histoire. Lorsque Mila assiste à l'autopsie d'une des petites filles, on retrouve de nouveau l'exactitude, la précision de l'auteur avec des données médicales et scientifiques qui sont très précises. Et donc, on suit cette autopsie. On est vraiment... c'est une lecture
qui est pas facile. Et Mila, elle semble pas réagir plus que ça. On se dit, elle est vraiment, vraiment balèze. Et quand elle sort de la salle d'autopsie, son premier réflexe, c'est d'aller se laver les mains, comme si elle se sentait souillée, sale, et elle veut se laver les mains. Et en fait, au-dessus du lave-main, il y a un petit miroir, et dans ce miroir, elle a une hallucination visuelle. Elle voit la petite fille qui sort de la salle d'autopsie, qui marche et qui va s'asseoir sur le banc derrière elle. Là, c'est une scène effroyable. Moi, j'ai beaucoup pensé après. Et en même temps, ce qui était intéressant, c'est que c'était pas quelque chose de gore ou de gratuit, parce que j'ai senti qu'à ce moment-là, l'auteur aussi voulait nous montrer le caractère humain de Mila, avec ses propres limites, ses propres traumatismes, parce que là, voilà ce qu'elle a vécu, ça lui laisse des traces, et ça nous aide aussi à rentrer dans l'empathie avec Mila. Et puis, une des dernières scènes qui m'a également énormément marquée, c'est lorsqu'elle se fait attraper, voilà, par quelqu'un qui lui veut du mal. Elle est droguée à son insu, évidemment, et en fait, Mila réagit, mais ça, elle est incroyable. Elle décide elle-même de se mettre une balle dans le bras pour en fait sortir de cette torpeur et de ces drogues qu'on lui a injectées. Alors je me dis là quand même on n'est pas dans du high level au niveau de l'équipe qui est sur place, parce que on se dit avec une enquêtrice qui est capable de faire de tels extrêmes, on sait que en fait elle est capable de tout quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai lu des tas d'avis sur ce livre, il y a une suite hein, puisqu'après il y a toute une série autour de Mila Vasquez avec le chuchoteur etc. Donc ça c'est vraiment bien. D'ailleurs je vous ai pas précisé, mais alors ça c'est une faute de ma part parce que j'ai l'édition poche, mais le titre complet c'est Le Chuchoteur, Dieu se tait, le diable murmure. Voilà, comme ça, ça vous donne le ton. En tout cas, voilà, comme je vous ai dit, j'ai vu des tas d'avis sur ce livre. C'est quand même un thriller qui a marqué vraiment énormément de lecteurs. L'intrigue est, comme je vous l'ai dit, elle est très très bien menée, très maîtrisée, elle est très complexe aussi. Enfin, elle est assez complexe. C'est pas quelque chose qu'on va lire comme ça. Il faut sans cesse, voilà, réfléchir à plein de choses. On est souvent un peu abasourdi par ce qui vient, parce qu'on le voit pas venir du tout. Mais autre chose, j'ai vu des gens aussi qui disaient, bon, même si vous êtes sensible, ça ira parce que c'est des scènes de crime, elles sont bien décrites, mais sinon, au-delà de ça, ça va, rien d'alarmant. Si, il en va de ma responsabilité, si je vous parle de ce livre, je peux vous dire que non, ce n'est pas simplement des scènes de crime décrites, ce sont des scènes de crime qui concernent des enfants avec des mises en scène absolument macabres par un tueur totalement sadique. Donc, la mise en scène est vraiment, ça va vous laisser des images assez effroyables dans votre mémoire. Mais voilà, ça fait partie des modèles du thriller et c'est en ça que ça fait un très très bon thriller à mon avis. Donc il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui vont aimer un thriller linéaire avec vraiment une écriture qui se lit voilà, de manière très fluide, et puis une écriture comme celle de Nonato Okarizi qui est peut-être un peu plus tordue, on va dire. Mais tordue dans le bon sens, vraiment. C'est un très bon livre, je vous le conseille si vous avez envie. Maintenant moi je l'ai lu lentement, c'est peut-être juste le petit truc qui peut des fois me refroidir à l'idée de lire des thrillers, c'est que je lis un peu tout le temps, n'importe comment, à n'importe quel moment de la journée, mais là, clairement, ce livre-là, vous pouvez pas le lire à n'importe quel moment de la journée, pour des raisons assez évidentes, enfin, on peut pas s'envoyer ça, par exemple, en buvant son petit café le matin, donc c'est peut-être juste le petit bémol, c'est que j'étais pas toujours dans le mood pour me plonger dans cette histoire, donc je l'ai lu assez lentement, mais après, voilà, c'est une autre lecture, il n'y a pas de stress, en fait, chacun lit à son rythme comme il veut, et je pense que ce type de lecture peut vraiment nous apporter des sensations très très fortes. Et bah écoutez, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Je suis ravie de vous avoir parlé de ce livre, Le Chuchoteur. Ce n'était pas une vidéo d'ASMR, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà. Je vous souhaite donc de belles lectures. Je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Je vous prépare plein de choses. Alors là, c'était ma série un petit peu noire, sombre, pour démarrer le printemps. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, oui, je suis totalement en contradiction. Voilà, bah, la fille qui est complètement à côté. Mais bon, je fais jamais comme tout le monde, voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye !